Ces trois bustes en marbre forment un groupe appelé Tria Fata. Ils représentent les divinités très anciennes du destin. Elles sont décrites comme des fileuses, déroulant et coupant à leur gré la vie humaine, symbolisée par un fil. Ces divinités sont en nombre de trois et sont présentes dans de nombreuses mythologies. Les Moires chez les Grecs, les Parques chez les Romains et les Nornes dans la mythologie nordique. Dans la mythologie romaine, ces trois divinités se nomment Nona, la jeune fille, Decima, la femme jeune, et Morta, la femme âgée. Nona, la fileuse, a un soleil sur le buste. C'est elle qui fabrique le fil qui symbolise la naissance. Une couronne de fleurs et un nœud ornent Decima, celle qui tient le fil de la destinée. Elle représente la vie. Morta, quant à elle, porte le masque de la vérité. C'est elle qui coupe le fil et met fin à la vie humaine. Elle représente la sagesse due à son âge, la vieillesse et la mort.